Kenwoku, encore PDG et groupe Sogenerl, Jean-Marie Vorbe. Et quoi, elle est là, c'est secours, lui mandé organisation qui regroupe dans la plateforme ECCA et qui c'est ensemble contre corruption. On l'a tout l'ouvrir écrit. Bayan et présidente et regroupement SAC dans la société civile là. Madame Jocelyne Colanoël, dans la date 5 décembre, pour exposer cas et Sogenerl. D'abord, lui expliquer Madame Colanoël, compagnie non, Sogenerl, c'est une entreprise privée et haïtienne et qui fait selon règles la loi dans le pays. Hein? Excusez, il dit que l'entreprise a été enregistrée en tant que société anonyme dans le ministère du commerce et de l'industrie, et puis il a toujours payé toute taxe, toute obligation envers l'État à travers DGI. Enner, il a gagné pour bénéficier dans quel que soit le gouvernement. Et petiteur, l'offre. L'État haïtien a lancé un appel d'offres public et pour compagnie qui a vendu énergie et pour EDH. Il dit c'est offre paywa Sogenerl et qui te baille plus avantage. D'après ça, l'État haïtien a jugé dans ça et a été sélectionné. C'était le gouvernement Alexandre Boniface Alexandre Latortuyan qui a choisi. Et contrat, excusez, il a signé un jour qui était 9 février 2006. Et c'était M. Henri Bazin, qui était ministre économie et finance, Fritz Adrien, et Erol Morose, qui était ministre économie et finance, et Bazin, et l'autre là était ministre travaux publics, transport et communication, et puis l'autre là était directeur général EDH. Il était fait ça, il y a un avenant en après, et concernant contrat ça, qui était date en 2008, avec l'autre qui était arrivé. Dans la tête de Dilayo, dans la tête de l'État. Lui dit dans l'article 23.1 contrat que Sogenerl est signé avec l'État haïtien, il prévoit si il y a un problème, tout le parti a chita, c'est ça, relé, voie amiable pour résoudre quel que soit litige là, entre deux parties dans ce qui concerne l'exécution contrat ça. Et Yapchita avant, si gon problème, avant pour prendre route la justice. Il dit que contrat depuis l'LT signé, jusqu'à ce que président Jovenel Moïse dénonce, il était bail dans le mois septembre 2019, là, pas jamais gen problème avec client ni, qui c'est EDH, quelques rares problèmes qui kon gagne de contestation et EDH kon soulevé, c'est des problèmes mineurs et yo toujours traité yo en toute bonne foi, en deux parties. C'est toujours M. Jean-Marie Vorbe qui a parlé. Il dit Sogenerl, pour des raisons, il n'y a pas qu'on connaît. Et bon, Maurice Sogenerl dit qu'il n'y a pas qu'à mettre son quatre visites. Il a dit inavoué et inavouable. Et ça, c'est dans la langue blanche. Alors, pour des, et qui n'a pas dit, depuis quelque temps, Sogenerl et Livin Kounela, non, mi-temps, il y a une véritable campagne, côté absal non, compagnie. Hein? Et. Sal non ça, li vin pas bon du tout pour image compagnie, li vin pote le préjudice, ensemble avec dirigeant yo, et c'est dans pire au niveau l'État, campagne ça orchestré contre compagnie Sogenerl, et dia, et dans divers intérêts, et campagne dénigrement, sal non Sogenerl, avec tout dirigeant yo, journée jodia, vin tourne, yon menace, et arrestation, intimidation, qui donc caponnage, chantage, ak violation droit ni société a ni moun k'ap dirije li. C'est toujours dans lettre li voye by ECC et by président li madame Jocelyne Colanoël. Sogenerl depuis président république là t'a annoncé li couper contrat qui lié Sogenerl ak l'état haïtien puis avec l'autre compagnie qui t'a vendre l'état énergie et bien Sogenerl vin tourner journée jodi a. Et c'est une compagnie qui a subi attaque ou véritable poids et li pa gen aucun recours et li a subi attaque toute qualité et plusieurs institutions dans l'État et a attaqué par exemple gen bureau monétisation sous question aide publique en développement BMPAD
qui voyait un mandat Bali pour payer Karel 120 millions de dollars Kalamprom et pour gaz li te vanni le ministère économie ak finance bon côté parle qui passait BRH Lod pour pas honorer encore engagement li te gagné par rapport à société à ça les lettres de crédit pour société à capable fonctionner et l'état haïtien à travers avocat yo et poser main de façon manu militari avec la force sous centrale que compagnie a gagné démarche qui entreprend nan niveau la justice pour capable défendre droit légitime et intégrité physique même compagnie ensemble avec personnel qui travaille là-dedans et ben tout passer en papier va pas aucun résultat autorité l'état public yo tant que BRH ak DGI yo tourné instrument nan main y a fait répression ak persécution politique contre Sojourner. Le président République là c'est toujours Jean-Marie Vop qui a parlé, li blié devoir constitution Bali et ça c'est un gros danger nan façon que li gérer contrat qui lié compagnien ak l'état et qui c'est deux personnes morales Sojourner SA et président conseil d'administration Jean-Marie Vop représenté et puis l'état haïtien qui c'est ministre économie ak finance ministre travaux publics transport ak communication et puis directeur général EDH qui représente ça les personnes morales sous base yon résolution politique qui prend en conseil ministre jou qui était 23 octobre 2019 là l'état haïtien décidé pour contenir et li couper et de façon unilatérale ça veut dire sans aucun contact accompagnant toute obligation contrat te metel te gagner envers Sojourner SA qui gè contrat avec l'état haïtien li violé tout ça qui dit concernant contrat ça il toujours parlé avec madame Cola Noël dans lettre ça Jean-Marie Vob dit na date 13 novembre 2019 nan souci a te bloqué te plongé dans blackout pour population Sojourner te voye yon lettre bay ministre travaux publics là transport communication et puis ak ministre économie ak finance pour demander yo pour respecter entente à l'amiable contrat à prévoir concernant toutes deux parties yo et pour te envisager et possibilité pour renégocier contrat qui lie toutes deux parties yo et bien let ça jusqu'à présent pas jamais gen anken réponse anken nan ministre pas jamais répond Sojourner et saisi laissé nan radio et à travers la presse et réseaux sociaux li apprend et yo expulsé li nan centrale Varea Vare 1 ak Vare 2 sans que li pat gen anken communication été fait avant avec sous ça alors que exploitation et l'état te bail et société Sojourner SA nan cadre exécution contrat ça sans pagay aucun jugement que avocat l'état haïtien te gagné qui t'a capable permettre que yo prend décision ça yo décidé yo débarqué manu militari yo prend contrôle et central comme ça l'état court-circuité toute démarche qui t'a doit faire par exemple pour doyen tribunal première instance Port-au-Prince t'a yo dit qu'il ba yo ordonnance gracieuse et pour me mettre à disposition yo et central sa yo de façon illégale et de façon gros pointe ça plus grave là et décision ça ordonnance ça de façon et que commissaire gouvernement à travers yon exécuture et qui te gagne là dans une menace pour arrêter tout le monde qui a travaillé dans central là si yo t'a campé pour yote empêcher yo exécuter décision ça et pourtant en principe une ordonnance gracieuse que doyen bail et pas besoin une exécuture de commissaire gouvernement et même référé à et que yon employé Sojourner SA te mandé dans circonstances non yo pas de balil ça veut dire yo violer la loi et moun sa yo te forcé pour te paix bouche li si c'est pas ça t'a arrêté et commissaire gouvernement
et qui était présent et dans et côté yo t'a metté main sous et matériel ça yo en parlant de Varea il était menacé pour te arrêter employé ça en plus pour non façon pour capable continuer craponner responsable sojener yo à tout monde qui proche et compagnon et dans temps ça yo et pour empêcher que yo capable défendre droit yo pour yo reprendre contrôle central là président utiliser commissaire gouvernement pour prendre mesure illégale pour menacer moun sa yo arrêter yo fermer yo dans prison avocat l'état haïtien yo t'es capable de ça justifier le fait que yo servi avec la force pour prendre contrôle varu 1 et varu 2 et côté yo accusé sojener SA à travers ordonnance gracieuse doyen Tebayoa d'après avoir c'est lui-même qui t'est rompu de façon abusive contrat que t'es gagné l'elle t'est tayé moteur et varu 1 et varu 2 alors que c'est depuis la date 23 octobre 2019 t'es une résolution conseil ministre non t'es déjà prend pour t'es annoncé gouvernement coupé contrat pour contenir et ak compagnie. Alors c'est cas qui pique grave là et dans dérive autoritaire ça c'est toujours Jean-Marie Vop qui a parlé dans lettre salvo et bail Jocelyn Colanuel qui a la tête ECC il dit c'est volonté à clair autorité au montrer sur la place publique pour persécuter tout monde que juger qui proche mais qui s'est allié sojener et les yo fait de association et dans sens ça qui gagne en pile malice la donne par exemple avec nous Réginal Marc Jean Vob et dans dossier ça alors que monsieur yo mette deux mandats invitation à un mandat d'amener et des dans contentieux qui opposait sojener à l'état haïtien li pa ni actionnaire dans société a il pa gen aucun fonction li gen en dedans conseil administration sojener dans même démarche gros poète ça l'état haïtien c'est toujours Jean-Marie Vob et cap parlé à travers paquet c'est porté une plainte à constitution de parti à la sojener à constitution de parti et civil et non non même démarche excusez à gros poète l'état haïtien saisi paquet de une plainte à constitution parti civil contre dirigeant sojener et certains proches sojener et dans cas ça paquet et qui c'est là pour faire poursuite li pa gagné l'autre prérogative que c'est voyer dossier ça devant cabinet d'instruction Jean que disposition article 51 code d'instruction criminelle la prévoit alors sans que personne monde pas attendu à ça commissaire gouvernement li invité direction compagnie avec l'autre membre pour présenter devant ni et en même temps et lui mandé gouverneur banque centrale là BRH et document information dans cadre ouverture information judiciaire contre compagnie et pourtant et lui est clair dans ça qui concerne commissaire gouvernement que le TDR pour te arrêter mon dirigeant compagnie en violation la loi et principe séparation poursuite dans ça qui concerne instruction dans dossier pénal et Jean-Marie Vob qui a parlé toujours li fait connaître et donc li était exercer droit un recours préventif devant doyen et doyen qui c'est gardien liberté individuelle yo dans perspective pour être capable jeune que était annulé et mandat d'amener et qui pas légal qui irrégulier que commissaire gouvernement décerné contre lui avec tout l'autre membre qui concernait dans date 27 novembre 2019 et qui passait en papier tout article 30 à 31 dans code instruction criminelle là et ben démarche ça et il tout à fait conforme selon sa article 24-1 à 27 dans constitution haïtienne là mettait sous article 7.6 dans convention américaine concernant droit monde et que Haïti ratifié l'état haïtien est missionné c'est pour garantir droit tout natif natal qui la kayli et pour choisir dans cadre recours qui a fait yo pour yo et l'état choisi pour pas faire confiance pour pas reconnaître compétence propre juge
que lui-même ni nommé les requise massivement des marchands que Sojourner te faire. L'État haïtien à travers avocat yo introduit une récusation massive contre tout juge dans tribunal première instance Port-au-Prince non. Et ça c'est un comportement abusif puissance publique là et côté tout audience 2 décembre 2019 là et qui était faite et côté était fait recours préventif là et a exercé devant doyen pour te annuler mandat d'amener commissaire gouvernement décerné illégalement et contre dirigeant Sojourner yo l'autre monde yo impliqué dans question ça et bien il yo interrompu de façon manu militaire et commissaire gouvernement c'était seul lui-même qui était assigné pour te comparaître c'est preuve qui clair que l'État haïtien pas parti dans procès ça et avocat yo yo pas gain aucune qualité pour te faire intervention ni exercer quelque que soit action et sans que personne ne pas attendre c'est doyen tribunal première instance Port-au-Prince là qui condamné dirigeant Sojourner yo ou bien pour entrer dans Mahon ou bien pour aller dans prison préventive prolongée lesquels dé refusé prononcer sous recours préventif en habeas corpus et que yo dirigeant Sojourner yo te fait alors que mandat d'amener yo mettait des lois illégales et président paysan li clair et absèviak apparaît justice non li gen contrôle li de façon totale capitale pour abuser autorité et violer droit Sojourner SA et ensemble avec représentant avec proche li yo toujours dans lettre livré by madame Justine Colanoël là Jean-Marie Vob k ap parler li dit doyen selon article 26-2 dans constitution c'est juge et qui exclusif dans cette question liberté individuelle mission première li gagner dans article ça c'est apprécier légalité mesure coercitive et ou bien contrainte et la police avec paquet capable prendre contre un citoyen en plus de ça convention américaine concernant droit moun nan dans article 7.6 li dit à clair tout monde qui gagne une menace sous liberté en tant qu'individu, li gagne droit pour porter un dossier devant un juge ou bien un tribunal pour statuer sous légalité menace et droit ça et yo pas cap ni abolir ni restreindre d'après ça qui dit dans article ça. Non et même Jean Tour demande récusation l'état haïtien, l'état juridiquement fondé, les doyens te do statuer sous demande là les annuler mandat qui te émettre de façon illégale contre dirigeant compagnie à qui proche li et pour absence de flagrant délit selon article 30 dans code instruction criminelle là et selon imagination personnelle l'état haïtien eh bien demande récusation en masse qui pas accepté aucun jugement l'état fondé sur article 453 code procédure civile là alors que article 7.6 dans convention li sous tête la loi suivant principe yore les hiérarchie des normes non et qui interdit toute restriction en question droit et pour suspendre menace sur liberté individuelle yo. Depuis là ça et bien pas aucun doute que intervention direct président Jovenel Moïse fait dans dossier ça c'est une violation caractérisée de constitution à toute loi qui gagne en république là c'est une menace pour démocratie à l'état de droit Sojourner à travers lettre ça li voyé by ECCA dénoncer publiquement manœuvre déloyale illégale et gros poète monsieur Jovenel Moïse utilisé côté li mettait en danger de gros investissements compagnie en fait et li créer de gros préjudices concernant image dirigeant Sojourner et l'elle a instrumentalisé et l'elle a vienne faire système judiciaire pays d'Haïti a vienne sous l'agraba non seul objectif pour satisfaire intérêt personnel li ak intérêt monde qui proche li Jean-Marie Vob fini pour le dire li c'est 2000 mètres en tête et gagne gros tête chargée de l'a garder situation ça ak menace et qui gagne sous institution en république là et c'est pour raison ça li écrit président ECCA pour soumettre devant attention et en tant que monde qui a défendre droit monde et gens yo violé droit compagnie Sojourner là
droit légitime ni et l'état haïtien violé avec tout monde qui a dirigé tout monde qui proche compagnie et yo violé droit moi-même et à travers décision Jovenel Moïse en tant que président prend dans dossier ça. Voilà c'est lettre ça Jean-Marie Vob PDG Sogener là voyez by présidente ECCA qui sont plateforme qui a plusieurs organisations qui a défendre droit monde qui levé campé contre corruption dans pays là madame Jocelyne Cola Noël et alors ECCA c'est ensemble contre la corruption. Vous voyez copie lettre ça c'est président directeur général et Sogener SA et niveau le bail conseil supérieur pouvoir judiciaire niveau le bail chambre de commerce et industrie d'Haïti niveau le copie bail chambre franco-haïtien commerce et industrie niveau le bail Asian American Chamber of Commerce et en Haïti AmCham niveau le bail association industrie d'Haïti ADI bail association professionnelle banque bail section commerciale ambassade États-Unis en Haïti niveau le bail section commerciale ambassade Canada niveau le bail section commerciale ambassade de France section commerciale ambassade d'Allemagne section commerciale ambassade Espagne et bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU bail collectif 4 décembre bail centre analyse et recherche dans droit monde CARD bay santé œcuménique droit monde CEDH bay conférence épiscopale d'Haïti CEJILAP bay conseil haïtien acteur non étatique CONAN bay centre recherche et formation économique et sociale pour le développement CRISFED et bay programme pour yon alternative justice page et bay réseau national cap défendre droit monde RNDDH ak centre Karl Lévesque SKL yo tout yo en dedans ECC. Voilà Jean-Marie Vob qui dit pas grand quel autre recours que écrit ECC pour dénoncer et manipulation Jovenel Moïse avec système justice là li neutraliser et li instrumentaliser contre Sogener. Sous même dossier a gagné un avocat Sogener yo maître Jean Danton Léger li parler sous mandat et lui dit que pour qu'on est là mandat pas debout puisque le dossier a il prend route la cour de cassation n'a pas le qui t'a parlé comme ça dans micro Beethoven François fils avocat Sogener yo Kiskeya t'a pas exercer un recours préventif au terme des articles 24 et suivants de la Constitution de 1987 de l'article 7-6 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme pour comble le malheur, avocat l'État yo débarqué bout de choukou dans le tribunal là et yo dit que yo récusé tout juge qui gagne dans le tribunal là, en 28 au total. Sous ça, n'a dit que doyen en tant que juge des libertés, pas doué accepter les questions et accusations et pas oublier ou bien a fait droit. Ou bien, faire un autre bagaille. Ou pas qu'à faire récusation, ça pas bien, ça relève un dépôt de consignation, que, ou même qu'à faire action en récusation, hein, à la DGI. Ça fait d'amende pour payer à la DGI. Nous, même, l'aller dans le greffe, tribunal, là, deux visios, nous, aller avec juge de peine, nous, pas venir qu'un côté, dans le greffe, là, côté que, dépôt de consignation, ça fait. Et puisque, dépôt de consignation, pas fait, action a tombé de par lui-même, et doyen, en aucun cas, n'est pas de accepter ou récuser lui, parce que c'est juge de liberté, on a même ce mandat de faire les codes clients, nous venons chercher liberté pour eux, et ensuite, doyen a été gagné pour te vérifier, est-ce que t'es gagné, dépôt de consignation, ça qui fait, à la lumière de l'article 463 du code de procédure civile. Donc, action en récusation, en principe, il vient tomber de par lui-même, il va comprendre qu'ils ont un juge expérimenté, qu'un coup, Bernard Saint-Ville, accepter question récusation ça. Et ensuite, l'on récuse tout juge en masse, sauf là, ou bah on est doigt, demande à debout contre moi, c'est devant le juge pour m'aller faire connaître que liberté individuellement violée, bafouée, au terme des articles 24 et suivant de la Constitution, 7-6 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, et vous récuse tout juge, devant qui vous voulez amener le Mali. Ou bah on est ça qu'a fait là-bas, on est à revoir avec les droits, qu'est-ce qu'il y a? Pas beaucoup en rien du tout, mais ça nous dit que la jurisprudence interdit à tout demandeur dans un dossier de refuser à rien du 4 juillet 2013.
Et vous partez de malgré ce mot plus encore. Les mandats qui étaient desserrés contre nos clients sont tout bonnement annulés par les avocats même de l'État qui ont demandé et par le sursis octroyé qu'on y a fait passer. Puisque vous dites qu'il y a une récusation, un message tonne qu'on y a eu, mandat qu'on y a eu, annulé, oui, faut tenir la cour de cassation qu'on y a pour dire est-ce que le mandat est exécuté ou si on va exécuter. Est-ce que vous permettez, on a dit que pas de rien à voir avec le droit d'arrêter la technique dans sa café dans la fête. C'est nous-mêmes qui devons contrat à faire quoi avec l'État. Vous savez, il y a poursuivre. Vous savez, il y a avec des personnels, il y a avec nous. Donc, là, c'est droit. Pas qu'à gagner, ça m'a les bagailles personnelles. Moi, je dis que le méchant fait toujours une même que le droit. Pendant, doit accepter l'accusation. Mais le bras, il sur soi, soit affaire à tout. Sur soi, soit affaire à. Et mais tout ça, tout l'environnement à faire là, ou sur soi, sur tout, demande à eux. Et ça, c'est que nous sommes de ce pays, nous sommes de la police, pour nous dire que mandat qui devient contre le client, il est inopérant, il est inopérationnel, il n'est pas capable d'exécuter. Pendant que, par devant, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif nous a démontré que PM l'appel est illégal, ministre illégal, et que résolution que vous prenez qui conduit à mettre mandat derrière nous aujourd'hui est illégal, et fort de ça, nous croyons que force à rester à la loi. Maître Jean Danton Léger, un avocat compagnie Sojourner là, une autre part, il critique l'État haïtien, il dit qu'il bloque compte en compagnie, alors que l'État haïtien n'a pas un droit réel sous bien famille Vobla. Il était tout profité de dénoncer l'arrestation à Anel Bélizère, selon lui-même qui mal fait, d'après ancien député, ancien commissaire gouvernement, qui t'a parlé non micro non. Di mandé pour libérer ancien député Delma Tabala pressé parce que le dossier a mal monté. N'a pas de mettre dans ton léger toujours dans micro Beethoven François fils. Yo bloqué contre nous saisi à rien et bien opposition sous contre nous alors que l'État pas titre authentique les comptes des rois à tout prix yo bloqué. C'est ça le endroit opposition de droit civil. Qui est opposition de droit civil capable de faire? Opposition de droit civil capable de faire lorsque mon cap fait action ça, il y a un droit réel sous bien l'autre. Là, est-ce que l'État a des droits réels sur les robes? Non, puisque l'État n'a pas de droits réels sur les robes, on n'est pas capable de bloquer contre nous, sans le bagarre après de la réunion, c'est kidnapping seulement été pour faire là. Même j'en vois que il fait Anel Bélizère à but, sans pas prendre dans le fond de l'affaire. Anel Bélizère a été arrêté à minuit, constitution du pas arrêté mon avant. 6 heures du matin, après 6 heures du soir, premièrement, il y a le père qui est sur la caille et ancien député. En besoin qu'on ait ce gros juge d'instruction qui est dans le mandat de perquisition. Est-ce que j'ai vu le père qui t'a le fouillé, il a fini, en fait, 10 ans, c'est pour lui. Donc, en plus de ça, il a arrêté M. Jacmel. Eh bien, le tribunal compétent l'a sonné matin pour connaître de l'affaire. C'est bien, en fait, la juridiction de Jacmel, lui, parce que c'est pas au regard du mandat d'amener commissaire porte-presse de son qui a arrêté monsieur. Ça ne fait pas du porte-presse. Autant d'illégalité qui environne, en fait, arrestation à Anel Bélizère. Je suis sûr qu'il n'y a pas bien choix. L'État crasé le CA, il est obligé de laguer à Anel Bélizère. Parce que, ils ont mal monté le dossier, ils ont mal fait le dossier, et au regard des articles 24 de la Constitution et suivant, au regard, en fait, de l'article 7-6 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui parle de liberté individuelle, forme arrestation en mal fait, pour les libérer mon droit de. Voilà, M. Jean Danton Léger, non micro Beethoven, François Fils, la folle de Capé. Tranche journal.